Bonsoir, bonsoir à tous les géologiques, ravis, ravis de vous retrouver. Un dimanche soir, vous avez eu, je suppose, tous une belle journée ensoleillée. Que diriez-vous de finir cette belle journée ensoleillée, immergée dans les minéraux, dans la géologie, enfin, tout ce que vous aimez. Je voudrais saluer mes petits camarades qui vont me rejoindre. Bonsoir Yves, bonsoir Fabrice, ils sont là tous les deux. Salut. Comment Salut. Salut à vous. allez-vous? Ça va, Ça la va? forme? Très Grande bien, forêt, ouais. très très bien. C'était une super journée. Ben ouais, c'était une très très belle journée. On est content de la finir avec vous. Tiens, peut-être pour information. Alors, vous connaissez le principe. Il y a un chat. Vous pouvez discuter en direct avec nous et poser vos questions. On y répondra ce soir. Notre modérateur, c'est notre chimiste préféré, Jeff, qui est dans le Salut Jeff. café. Salut, mon Jeff. Salut à tous. Salut à Qui tous. va bien? Bon, modère-toi avant de modérer les autres déjà, et puis on commence à voir. Et puis, donc, Super bah, Yves, on modérateur. va tout de suite envoyer le. On a un sommaire qui est assez chargé, donc on va tout de suite envoyer le jingle du sommaire et je vous présente ça. Allez, ça marche. Super. Alors, une émission effectivement bien dense et encore riche ce soir. On va commencer par une séquence qui s'appelle Géoactualité, que vous connaissez bien. Et ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Vincent Regard, qui est maître de conférence à l'université Toute Sabatier de Toulouse et qui va venir nous parler d'un sujet très intéressant, puisqu'on va parler de l'érosion des côtes rocheuses et qui question une source majeure de sédiments. Donc, une discussion entre Yves et Vincent qui va vous permettre de découvrir un petit peu ce sujet et de pouvoir en comprendre un petit peu mieux les enjeux. Nous aurons une deuxième rubrique. Là, vous allez pouvoir jouer carrément, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être des participants, deviner la roche mystère qui va être présentée par un abonné qu'on recevra tout à l'heure, qui s'appelle Jean-Louis. Je vous délivre déjà son prénom et qui va vous présenter une roche mystère que vous devrez découvrir. Troisième rubrique, nous retrouverons comme d'habitude notre ami Thierry du Manche-Caillou et qui discutera avec Fabrice d'un minéral qui s'appelle, est-ce que ça s'appelle un minéral? Enfin, c'est une pierre. Est-ce qu'elle est semi-précieuse? Il nous dira, ou pas précieuse de toute façon. Ça s'appelle l'azurite. C'est bleu, vous pouvez vous en douter. On terminera ce live par une rencontre avec Stéphane Douve, qui est responsable de collection géosciences à l'université de la Sorbonne et qui va nous parler de tous les travaux qui sont en train de se réaliser actuellement dans ce domaine-là. Donc, ça sera pour conclure l'émission. Tout ça va durer 2 heures. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et on va pouvoir passer directement à notre première rubrique. Voilà, Géoactualité. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Comment ça va, Vincent? Ça va bien. On est content de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez nous décliner comme ça en quelques mots votre parcours qui vous aide vous présenter pour que les auditeurs vous servent très bien tout de suite comme ça. Bien, je suis géologue et plus spécialement spécialisé dans la géomorphologie, c'est-à-dire l'évolution des paysages. J'ai initialement travaillé beaucoup sur la subduction et les paysages associés à la subduction, notamment le long de la cordillère des Andes au Chili et au Pérou. Et en fait, à cet endroit-là, la terre monte et donc on retrouve beaucoup de terrasses marines qui sont en fait des anciennes côtes rocheuses. D'où mon intérêt pour les côtes rocheuses que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence à Toulouse, à l'université de Toulouse, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis maître de conférence à l'université Paul Sabatier, Toulouse 3. Yves, je te laisse débattre avec Vincent et de ce sujet très passionnant. À la découverte, allez-y, mes amis, je vous laisse faire. D'accord, merci. Bonsoir Vincent. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié en début d'année un article sur effectivement l'érosion des côtes rocheuses, une source majeure de sédiments, et vous avez publié cela dans la revue Earth on Planetary Science Letters. Et vous avez publié ça, bien sûr, avec un groupe de scientifiques.
et vous êtes arrivé au constat qu'il y avait une part significative de ce flux sédimentaire des côtes, de l'érosion des côtes, ce qui n'était pas tout à fait admis précédemment. Est-ce cela ? Oui, tout à fait. En fait, c'était plutôt méconnu même que... D'accord, pas admis. Alors, pendant l'interview, on va la découper comme ça. L'historique, la genèse de ce travail, vous êtes parti de quoi ? Ensuite, les calculs de la longueur des côtes rocheuses et qu'est-ce que vous avez pris comme type de côte ? Ensuite, les méthodes de travail, puis les résultats et les incertitudes et limites des résultats. Alors, l'historique de ce travail, vous êtes parti de quoi ? Alors, est-ce qu'on peut partager mon écran ou... Oui, tout à fait. Ce sera tout à fait. Alors, j'y vais, c'est parti. Voilà. Oui, alors, cette photo n'est pas de moi, mais d'un collègue, et elle illustre tout à fait en fait l'idée. Donc ici, ça c'est un paysage, c'est la côte basque. Et on a en fait sur la partie droite, là, donc il y a la mer, et en fait elle vient saper le pied des falaises. Et ce qu'on voit ici, ce que vous pouvez voir en dessous de ces maisons, là, c'est en fait la terre qui tombe, qui va faire tout un tas de débris, et ces débris vont être emportés par la mer. Donc on s'intéresse à ce processus-là. Et puis après, moi j'ai travaillé un petit peu en Normandie, et en Normandie, c'est un endroit où il y a les falaises de craie, sont des falaises qui reculent très vite. C'est réputé pour être entre 10 et 30 cm par an en Normandie. Ah oui. Donc ça va assez vite, et puis un jour, comme ça, je me suis fait la réflexion, mais si ça va assez vite comme ça, sur la longueur de côte, en fait, la Normandie, les côtes crayeuses, c'est à peu près 100 km. Les falaises font en moyenne 60-70 mètres. Et si on met 20 cm par an de recul, ça fait en fait un volume qui est très important. Et du coup, la première chose que j'ai essayé de faire, c'est que je me suis fait le petit calcul. Et puis, j'ai essayé de chercher quelque chose. Donc, moi, j'ai grandi à Avignon. Et donc, pour moi, la référence, c'est le Rhône. Donc, je me suis amusé à regarder un petit peu le bilan du Rhône. Alors ici, là, sur cette image, je ne présente pas la Normandie, parce que j'ai trouvé encore plus illustratif. C'est une côte ici, au nord-est de l'Angleterre, qui fait 64 km de long. En fait, ce sont des falaises qui sont très peu résistantes et qui s'érodent très très vite, de 1 à 2 mètres par an, en moyenne. Et donc ça fait, ça en gros, si on calcule le volume des falaises, c'est environ 7 à 9 millions de tonnes, là, ce que j'ai mis ici. Oh, d'accord. Et juste pour comparaison, en fait, le bassin versant du Rhône, ici, suivant les études, il délivrerait entre 7 et 35 millions de tonnes à l'océan. Donc ça, c'était un peu c'est un peu le point de départ, c'est se dire, bon... très bien, on a vu une côte qui peut rivaliser avec un grand fleuve. Est-ce que ça s'est généralisé ? Est-ce qu'on peut avoir une idée à l'échelle du continent européen de comment ça s'est fait ici ? Alors, la première étape de mon travail s'est faite à travers une thèse que j'ai encadrée, la thèse de Mélodie Prémaillon. Et dans la thèse de Mélodie Prémaillon, alors dans la thèse de Mélodie Prémaillon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de dresser un peu le bilan, pas que sur l'Europe, mais sur le monde entier, de tous les endroits où il y avait des mesures précises, en tout cas dans lesquelles on pouvait avoir confiance de recul des falaises. D'accord. Et ça, on a essayé de croiser ça avec savoir si c'était... donc elle a fait une grosse base de données avec les vitesses de recul des falaises, et elle a mis en regard en fait les données qu'elle pouvait avoir, soit sur la lithologie, enfin la nature des roches, la pluviométrie, les vagues, la température, etc. D'accord. En fait, on s'est aperçu que ce qui est le plus important, c'est la lithologie. D'accord. Et ça représente combien de sites ? Alors,
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a des pays comme la France ou l'Angleterre où il y a depuis quelques années, il y a une tentative de faire quelque chose d'assez systématique. Donc, ça, elle a mis ça dans une étude, mais en fait, ça représente, en fait, en France métropolitaine, il y a l'ensemble des côtes qui est suivi et sur lesquelles on a une idée de la vitesse de recul. Donc, ça, c'est les travaux D'accord. du CEREMA. C'était avant, ça s'appelait le CT, là, c'est qui fait ça. Sinon, bah, ça fait une centaine en gros, une centaine d'études. Une centaine d'études, d'accord. Oui. Donc, sur l'image que l'on a ici, sur la carte, en fait, on les voit pas très bien, mais les endroits côtiers colorés, ce sont les endroits où il y a des mesures. Donc, et après, ce qui est représenté en couleur, là, c'est est-ce que ce sont les études correspondent à des bilans sédimentaires importants ou pas. Et donc, on voit qu'il y a deux. Bon, en Europe, il doit y avoir. Ça, c'est quand même le continent le mieux étudié pour les côtes rocheuses. Et je sais pas, il doit y avoir une quarantaine d'études ici. Et sur la quarantaine d'études, donc il y a beaucoup en Angleterre et beaucoup en France. Un petit peu au Portugal aussi. Donc, ça, c'était la base de données. Et en fait, on était arrivé à la conclusion dans le cadre de la thèse de Mélodie Prémaillon, c'est qu'on pouvait grossièrement, si on divisait les roches en trois types, selon leur résistance mécanique, on pouvait, ce que vous avez ici sur ce graphe, c'est la distribution des vitesses de recul. Donc, ce sont des choses c'est très étalé, hein, malgré tout, mais on peut définir une médiane. Et donc, si on parle de roches peu résistantes, alors les roches peu résistantes, ça va être typiquement les roches peu cohésives, genre les argiles, genre les moraines, ce genre de choses. On a des vitesses de recul qui peuvent être très importantes, mais la médiane ici, c'est 23 cm par an. Après, on a des roches intermédiaires, et puis après, on a des roches résistantes, auxquelles on pourrait classer. Les granits bretons, et là on a une chose qui serait autour de 3 cm par an pour la médiane. D'accord. Donc, encore une fois, hein, ce que vous pouvez observer, c'est quand même il y a un certain étalement en termes de la distribution. D'accord, Ça, donc nous sommes en vitesse de recul, quoi. oui. Donc, ça c'était la première étape, c'était de définir. La relation entre la lithologie de la falaise et dire que ça pouvait être en quelque sorte un prédicteur de vitesse de recul. Ouais. Voilà. Même si on peut discuter de la qualité du prédicteur, mais en gros, c'est ce qu'on a fait. D'accord. Voilà. La deuxième étape, elle a été permise par l'Union européenne. L'Union européenne qui a réalisé une classification de ses côtes. Et notamment des côtes rocheuses. Là, vous avez, ça c'est la carte que l'on a ici à gauche. Et donc dans cette classification, alors qui ressemble un peu à ce qu'on avait fait avec Mélodie, hein, on a une classe là en vert pétant. Là, ce sont les côtes rocheuses de roches résistantes. En bleu, ce sont les côtes rocheuses de roches peu résistantes. Et puis on a un peu des intermédiaires. En général, j'ai l'impression que les intermédiaires, c'est un peu les endroits où on ne sait pas trop quoi en faire. Enfin bon, peu importe. Bon, donc on a fait l'hypothèse quand même que ça représentait assez notre classification qu'on avait fait avec Mélodie. Et du coup, ce que l'on a fait hein, finalement, c'est qu'on a pris cette classification, on a dit ben, à chaque endroit où c'est vert, ça recule à environ 3 cm par an. À chaque endroit où c'est bleu, ben, on peut dire que c'est environ 23 cm par an. Et puis ensuite, donc ça, ça nous donnait cette base de données nous donne la longueur des côtes, la vitesse de recul. Et après, je vous ai mis ce petit dessin là. En gros, nous, ce qu'on va mesurer, c'est il nous manque une dernière chose, c'est la hauteur de la falaise. Donc ça, on l'a pour calculer ça, on a pris un modèle numérique de terrain, c'était en gros le relief de l'Europe, et on a évalué à chaque endroit, à chaque point de ma carte, là, on a évalué la hauteur de la falaise. Donc ça, en D'accord. gros, en fait,
une des meilleures façons d'évaluer la hauteur de la falaise, donc ça c'est un problème qui nous a pris pas mal de temps, c'est finalement de donner la différence entre le niveau de la mer et puis l'altitude qui est à 500 mètres du niveau de la mer. D'accord. À 500 mètres du trait de côte, plus exactement. Donc, sur ces côtes rocheuses, vous avez pris le pourtour méditerranéen, oui. Côte atlantique, et puis, alors je ne sais pas, la mer Baltique. C'est tout ce qu'on a en... L'Afrique du Nord n'est pas prise en compte. Non, non. Alors, en fait, même plus exactement, c'est une base de données européenne, donc il y a... Il y a la mer Baltique qui est bien définie, mais par exemple, toute la partie balkanique, il n'y a pas de données dans la partie balkanique. Ah, c'est un endroit où on n'avait pas de données disponibles. Probablement, c'est une histoire politique. Hein, donc c'est avant tout la partie de l'UE des 28, quand on était 28. D'accord. Et quel logiciel vous avez utilisé pour avoir ces différences entre le niveau marin et le niveau d'altitude de la côte ? Qu'est-ce que vous avez pris comme... Alors là, on a utilisé des logiciels de système d'information géographique. En l'occurrence, moi, je travaille avec QGIS et quand ça ne suffit pas, j'utilise GRASS. D'accord. Je vois qu'il y a des questions sur la résolution du MNT. Donc, le MNT, il y a un MNT qui est produit par, qui est délivré par l'Europe, qui est à la résolution, si je ne me trompe pas, de 25 mètres. Ici. Et la base de données utilisée, c'est une compilation qui s'appelle, qui aujourd'hui est dans un chapeau qui s'appelle EmodNet. Donc, il y a plein de données disponibles, notamment les MNT, mais MNT bathymétriques aussi, si vous avez besoin. Et comment a-t-on calculé la longueur des côtes là ? Il y avait les fractales sont intervenus dans ce sujet ? Alors, le calcul de la longueur du côte avec un SIG, à partir du moment où on a la classification, en fait, ça, c'est une ligne et c'est très facile. De calculer la longueur de la ligne. D'accord. Par contre, si on veut extrapoler, aller un petit peu plus loin, il est important de savoir à quelle résolution on travaille. Et donc, effectivement, on s'est un peu posé la question de quelle est la résolution à laquelle nous, on travaillait. Donc, en fait, pareil, on connaît en suivant... Je traduis un petit peu votre question aussi. Oui. C'est que, effectivement, on a besoin d'une longueur de côte. Et cette longueur de côte, ça a été démontré depuis longtemps. Dans les années 80-90, là, il y avait eu une grande époque des fractales en géologie. Et notamment, ça a été un des cas d'études classiques. C'est quelle est l'évolution de la longueur du trait de côte en fonction de la résolution à laquelle on regarde. Et donc, nous, on a eu un petit peu à se poser cette question. On l'a résolu de la façon suivante. On a dit, bon, en gros, la distance de... En fait, la largeur de mesure sur un site, quand on mesure un site, hein, c'est de l'ordre de la centaine de mètres. Et il se trouvait que nous, on a travaillé avec... on a aussi travaillé avec un trait de côte. Donc il y avait le trait de côte qui était EmodNet là, avec les différents sites, mais après ça représentait que la partie européenne. Si on veut avoir quelque chose à l'échelle mondiale, il y a une base de données qui s'appelle GSHHG, bon, c'est un truc. Oui, j'avais noté GSHHG, effectivement. Bon, en gros, ça c'est une base de données, c'est un trait de côte numérique. Et qui fait référence. Et ce trait de côte, il est donné à 5 résolutions différentes, et la plus fine correspond à peu près à 100 mètres, un point tous les 100 mètres. Donc ça correspond à l'échelle la plus fine à laquelle on peut travailler raisonnablement. Et à cette échelle-là, si vous voulez avoir une indication, en fait, le trait de côte à l'échelle mondiale, à l'échelle de 100 mètres, correspond à quelque chose de 1,8 million de kilomètres. Million de kilomètres.
Voilà, et donc ce qu'on voit sur ce graphe ici, c'est que si on prend une résolution, plus on prend une résolution petite, plus on a un trait de côte qui monte ici. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle les fractales. Donc ici, les points noirs ici correspondent à la longueur, en fait, aux différentes résolutions de GSHHG. Donc ça s'aligne à peu près sur une droite, hein, dans un graphe en log-log. Mm-hmm. Ici, et ça correspond, la pente de la droite, c'est la dimension fractale. D'accord. Et ouais, voilà, donc grosso modo. Non, bon, sur ce graphe, il y avait aussi un résultat un peu secondaire de ce qu'on a fait. On s'était posé la question un petit peu savoir si nos résultats étaient est-ce qu'ils étaient valables à une certaine époque ou est-ce que ça avait changé, par exemple, lors de la dernière période glaciaire. Et en fait, lors de la dernière période glaciaire, on s'est aperçu que, si on fait un calcul assez propre, hein, on a un trait de côte qui est 20 à 25% moindre par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, variation du niveau de la mer, on fait changer la longueur de trait de côte. D'accord. Et si on revient à la formule de départ, sur le volume de sédiments que l'on obtient, donc L, le petit L, c'est bien la longueur de la côte, c'est bien oui, ça. H. H, oui. C'est la hauteur mm-hmm. de la falaise. Et V. Et V, c'est la vitesse de recul. D'accord. Donc, qui est dépendante de la nature de la roche. Voilà, qu'on a. Ouais. Lithographique. OK. Et qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Alors, on a obtenu comme résultat, en fait, que globalement, si on prend donc sur toute l'aire de l'Europe, qu'on peut mesurer, c'est-à-dire mm-hmm. donc sur cette carte, on n'a pas mesuré, on a enlevé en fait les bassins qui sont ici avec ce figuré un peu bizarre, parce que dans ces bassins-là, soit il manquait des données de falaises, enfin de côtes rocheuses, soit il manquait des données de rivières. En fait, tout simplement parce qu'on a fait le lien entre les deux pour que ce soit plus parlant. Et donc, sur l'ensemble des falaises, on a évalué qu'on avait en fait un export sédimentaire qui était de l'ordre de 111 millions de tonnes par an. Plus ou moins 65. Alors, plus ou moins 65. Ça, on pourra parler un petit peu cette incertitude derrière. Oui. Et en fait, en parallèle, donc on a mené on a évalué ce qui arrivait par les rivières. Et sur mmh. les rivières, on était sur 290 millions de tonnes par an. Donc, ce qui correspond, en gros, si on fait le rapport entre les deux, ce qu'on a appelé R, c'est 0,38. C'est-à-dire que les côtes, c'est à hauteur de 38% de ce qui arrive par les rivières. Donc, par rapport à l'article que j'avais lu, le résumé de l'article, bien sûr, que j'ai lu dans le CNRS-INSU, donc ça correspond à une importance significative à hauteur d'un tiers du flux des rivières européennes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui. Donc ici, sur la carte que vous avez là, ce qu'on a représenté, c'est le rapport en fait, entre ce qui arrive par les côtes, hein, donc cette partie qui rentre dans ces 111 millions de tonnes par an, et on a divisé par ce qui arrive par les rivières sur la même zone. Donc, on a fait le rapport, hein, donc le R, mais sauf qu'on l'a cartographié, là, le R, hein, dans des zones qu'on a récupérées d'une classification de l'Union européenne qui appelle ça des basin districts, je crois. Un truc comme ça. Donc, c'est des sortes de grands bassins qui permettent d'avoir une correspondance raisonnable entre la partie côtière et ce qui arrivait par les rivières. Par les rivières, donc, d'accord. Quand c'est en bleu foncé, c'est que c'est très largement dominé par les rivières. C'est-à-dire d'accord, que les rivières, c'est plus. En fait, le R, il est en dessous de 0,1. C'est-à-dire que les rivières, c'est plus de 10 fois plus que ce qui vient des côtes. Donc l'Italie, c'est vraiment les rivières, les fleuves. Voilà. Ouais. D'accord. Lorsqu'on a alors l'inverse, c'est le orange, le jaune foncé, jaune, mm-hmm. marron, là. Donc celui-là, c'est plus de 10 fois, les falaises comptent pour 10 fois plus que les rivières. Et puis ensuite, vous avez des zones un petit peu, où vous avez une dominance un petit peu par les rivières, donc c'est le bleu clair, ou un petit peu par les falaises, c'est le jaune là. Donc c'est en gros entre
4 fois et 10 fois plus, dans un sens ou dans l'autre. D'accord. Et puis, ce qui est en gris, c'est entre les deux. Quoi. C'est la différence est moins d'un facteur 4. Et alors, est-ce qu'on peut faire la même corrélation de ces apports fluviatiles ou apports côtiers par rapport à la nature lithologique, soit du socle ou soit des côtes? Est-ce qu'il y a une relation? Alors, sur la nature lithologique... Par exemple, l'Italie, ben là, on voit que c'est beaucoup d'un apport fluviatile, quoi. Est-ce qu'il y a une relation avec la nature des côtes, la nature lithologique ou pas? Ah oui. Alors, c'est une bonne question, parce qu'on ne l'avait pas vraiment exploré de cette façon-là. Moi, ce qui me semblait plus... j'ai expliqué la partie les bleus foncés, soit par des endroits où il y avait une très forte dominance des apports de rivière, parce que c'est des endroits où tectoniquement c'est actif. Donc il y a beaucoup de relief en Italie. Il y a probablement beaucoup d'érosion. Et c'est probablement accentué par le climat méditerranéen, qui est un climat qui est assez propice à des exports sédimentaires assez importants. Alors ça, c'est pas le cas, par exemple, quand on regarde l'Elbe, ici. Mais là, en fait, l'inverse, c'est que ici, ce sont des plaines, les plaines d'Europe du Nord, et donc il n'y a pas beaucoup de falaises. Donc, c'est beaucoup des côtes sableuses, ici. Un des traits importants là-dedans qu'on avait vu, c'est que la façade méditerranéenne était finalement peu impactée par l'érosion des falaises. Oui. Et par contre, la partie atlantique, sens large, était assez équilibrée. Donc, si on fait l'ensemble de la façade atlantique, on a à peu près un équilibre entre ce qui est érodé au niveau des falaises et de ce qui est érodé à l'intérieur des continents et apporté par les rivières. D'accord. Alors, quelles sont les incertitudes ou les limites de cette modélisation? Si c'est une modélisation, on a tous une définition différente de la modélisation, donc je vous laisse dire. Bon, quelque part, il y a un modèle, puisque ce qu'on fait, c'est qu'on généralise des observations... En gros, les données sur lesquelles on se base correspondent à peu près à 1% de la longueur de côte européenne. Donc, ce qu'on avait fait comme bilan avec Mélodie Prémaillon, l'ensemble de la longueur des sites rapporté à toutes les falaises que l'on a à l'échelle de l'Europe, on a calculé, c'est à peu près 1% qui est effectivement mesuré. Donc, on suppose que ces 1% sont représentatifs. Et puis, vous vous rappelez que, dans les distributions, on avait quelque chose d'assez étalé. Et donc, on a pris la médiane comme valeur représentative, mais peut-être que c'est... on sous-estime le bilan sédimentaire, normalement, des falaises. Parce que la médiane sous-estime la moyenne. Vu l'étalement. À l'inverse, l'autre question, c'est que probablement les endroits qu'on avait où il y a des vraies mesures, ce sont des endroits qui sont préoccupants et donc où il y a un recul important des falaises. Donc ça, c'est un peu une limite. Donc ce qu'on avait fait en parallèle pour se rendre compte, pour être quand même sûr qu'on faisait notre message était relativement fiable. C'est la première chose qu'on a faite, c'est on a pris l'ensemble des données sur lesquelles on a des vraies mesures. Donc ça, la thèse de Mélodie Prémaillon, elle avait créé une base de données qui s'appelle Globe R2C2. Et dans ce cas-là, on arrivait, si on fait la somme de tous les sites, on arrivait à 20 millions de tonnes par an. Et ça, sur juste 1% de la mesure. Oui. Donc ça... Nous, on a considéré que ça, c'était vraiment le minimum, minimum, minimum. L'autre chose qu'on avait fait, on parlait un petit peu d'incertitude, c'est qu'on a pris, on s'est dit, si jamais la classification de l'Union européenne n'est pas très bonne,
ici en hard, soft, rock et intermédiaire. Oui. En fait, on a tout mis avec la vitesse des falaises constituées de roches dures pour voir ce que ça donnait. Et donc là, on arrive à un total qui est de l'ordre de 50 millions de tonnes par an. Et 50 millions de tonnes par an, donc on reste dans la barre d'erreur qu'on avait indiquée, qui est de 111 millions. Oui, 65. D'accord. Donc on a essayé d'être assez ce qu'on appelle conservatif, c'est-à-dire de dire que nous, notre message, c'est de dire que les côtes, ce qui arrive par les côtes est significatif. Et donc, cette barre d'erreur, même si on est dans la partie inférieure, bien, ça reste quand même assez significatif. D'accord. En tout cas, ce n'est pas négligeable. C'était ça notre message. D'accord, merci. Louis, tu as des questions d'internautes ? Oui, Vincent, il y a quelques questions d'internautes, notamment, on a vu tout à l'heure passer une carte sur laquelle il n'y avait pas de données en ce qui concernait le bassin de la mer Noire. Et donc, il y a Clarita qui nous demande pourquoi, dans la mer Noire, il n'y a aucune donnée pour le flux de l'érosion des côtes. Alors, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la classification, enfin, donc un des ingrédients nous fondamentaux, ça a été la classification des européennes, qui est dans EmodNet, et cette classification, elle est, il n'y a pas de classification dans les pays des Balkans, par exemple. Et du coup, donc dans tout, et puis dans la partie ici qui arrive Danube, et puis après tout le reste, on n'a pas grand chose. Donc ça, on l'a enlevé pour être sûr. D'accord. Il y a une autre question, Vincent, qui nous a été posée au moment où tu faisais l'exposé. Est-ce que cela sous-entend que le matériel érodé ou fluviatile alimente de manière globale les côtes du bassin étudié, des bassins étudiés ? Est-ce que c'est une question claire ? C'est une question... Oui. C'est une bonne question. c'est la suite de ce travail. Ça va être maintenant ce à quoi on va essayer de travailler, c'est essayer de voir les sédiments. Enfin, actuellement, je travaille avec quelques collègues à savoir quand il y a des sédiments qui arrivent par une rivière, où est-ce qu'ils vont être transportés le long de la côte. Et donc là-dessus, on va rajouter la partie falaise. Voilà. Mais donc ça, c'est une question qui reste en suspens. Savoir quelle est la longueur de transport des sédiments au niveau des côtes, mais probablement assez importante. Oui. Okay. Fabrice, mon cher Fabrice. Ouais. Ton œil, tes oreilles. Bah, y a pas mal de questions qui me viennent à l'esprit là. D'abord pour l'avenir, alors le stock sédimentaire au niveau de l'avenir, est-ce que les données qui viennent d'être obtenues là, qui permettent de montrer l'importance des apports sédimentaires par les côtes rocheuses, si avec la hausse du niveau marin qui est programmée là, j'imagine qu'il va y avoir une augmentation de l'érosion des côtes rocheuses et donc une augmentation du stock sédimentaire. Est-ce que justement il y a des études qui permettent de prévoir l'avenir là-dessus? Oui, il y a pas mal d'études qui essayent de faire le bilan aujourd'hui, donc en essayant de regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, alors, il y a donc. En fait, on est un peu à une interface entre plein de communautés. Donc, chacun regarde un petit peu son précaré, quoi. Et notamment, les gens qui s'intéressent aux plages se posent beaucoup de questions sur la hausse du niveau de la mer, qu'est-ce que ça va faire, où est-ce que les vagues vont attaquer les plages, par exemple. Maintenant, moi, je pense qu'il y a un autre problème qui est très important. Il y a un problème important de sédiments ce sont les barrages. Tous les barrages qui sont sur les rivières. Aujourd'hui, on estime qu'à l'échelle mondiale, ça diminue d'un facteur d'au moins 30% les sédiments qui arrivent à la mer. Donc, il y a un très gros déficit sédimentaire au niveau des côtes. Et c'est probablement plus ça encore que la hausse du niveau de la mer qui est la cause d'érosion importante au niveau des côtes. Donc après, en termes de stock sédimentaire... Là, il y a encore d'autres soucis qui est que vous avez peut-être entendu, mais il y a une des ressources importantes, c'est le sable. Et donc, le sable, il est de plus en plus récupéré soit sur les plages, mais
en Europe, c'est interdit, mais ou alors devant les plages. Et donc, il y a un manque criant. Et probablement que moins il y a de sédiments, plus les falaises vont reculer. Hein, parce qu'il y a un effet un petit peu de, une petite rétroaction là-dessus. OK. J'avais une autre question, c'est par rapport à l'étude, là, il a été montré qu'il y avait un, au niveau de l'Europe, ils ont classé les trois types de côtes en fonction de la nature, de la résistance des roches. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de paramètres qui peuvent influencer le fait qu'une falaise va plus vite se réauder qu'une autre. Par exemple, je sais pas, l'inclinaison des strates, etc. Par exemple, la photo qui avait été montrée tout à l'heure sur les côtes du sud-ouest, là on a des pendages, j'imagine que ça doit glisser banc sur banc, ça doit aller plus vite. Qu'est-ce qui permet de hiérarchiser justement tous les paramètres qui peuvent influencer la vitesse de recul d'une falaise? Alors, c'était un peu ce qu'on avait commencé à explorer avec Mélodie Prémaillon. Alors, sur les strates, juste un petit point sur les strates du sud-ouest, c'est pas sûr, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça diminue la vitesse de recul. Donc, ça l'augmente. Probablement même plutôt, ça la diminue. Mais bon, ça, les modalités ne sont pas très claires. Et même si ça l'augmente ou si ça la diminue, ça va diminuer de quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents, mais ça ne va pas la faire changer de catégorie, en fait. Donc, ce que l'on avait fait avec Mélodie, hein, c'est l'idée que j'avais eue, c'était d'essayer de prendre le plus de mesures possibles et puis d'essayer de voir qu'est-ce qui influence les différentes mesures. Elle avait fait quelque chose que j'ai laissé là. Pour l'instant, elle avait essayé de faire une analyse statistique. Donc ici, c'est ce qu'elle avait utilisé, la méthode des random forest, là, pour essayer de classifier en fait les différents paramètres. Donc ici, je vous mets, ça c'était ce que vous avez donc ici en ordonnée. Ce sont les différents paramètres qu'on avait essayé de regarder. Et là, en abscisse, en gros, plus on est vers la droite, hein, donc plus c'était représentatif. Donc il y a une chose qui était ressortie, que j'ai toujours pas complètement comprise, c'est que probablement, donc OK Brown, c'est la résistance des roches. Donc ensuite, il y avait le nombre de jours de gel qui apparaissait. Et je me demande si c'est pas un biais du fait que les endroits où il y a du gel important, ce sont les endroits où il y a beaucoup de moraines, et en fait, en Europe du Nord, c'est les endroits où ça s'érode le plus vite. Voilà, donc après, vous avez la température, mais en fait, finalement, une chose qui nous a étonné, c'est que le climat de la houle n'arrivait pas dans les premiers, pas forcément, n'était pas forcément le caractère le plus important. Ok. Puis j'ai une dernière question, mais c'est plus en lien avec la formation des étudiants. Là, par exemple, on va faire un stage en Normandie. Je vais encore leur montrer les falaises d'Étretat, celles de Villers-sur-Mer, de Sainte-Honorine-des-Pertes. On va aborder les problématiques justement d'érosion du littoral, de géorisque, etc. Si j'ai des étudiants qui sont sensibilisés par les problématiques justement de géomorphologie du littoral et de géorisque en lien avec le recul des falaises, vers quelle université il est préférable de les, où on peut les orienter? Ça dépend un petit peu oui, ça dépend de pas mal de choses. Quand on parle de la Normandie, moi j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, plutôt côté géographie à Caen. Donc là, on peut faire. Après, il y a des formations assez littorales. Il y a une formation risque littoral à Montpellier. Maintenant, je ne sais pas si la partie falaise est très 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 importante. En fait, historiquement, c'est une thématique qui est un peu méconnue, notamment parce que ça bouge finalement assez peu par rapport aux plages. Les plages sont beaucoup plus problématiques parce que c'est beaucoup plus réactif. Et donc, en tout cas, en termes de formation, en termes de débouchés, en termes de métier, il y a beaucoup, beaucoup plus
de métier sur les plages et les problèmes qui sont engendrés par les plages. Après, côté falaise, hein, ça va être c'est beaucoup BRGM ou CEREMA qui regardent ça. Il y a Adrien, que je salue d'ailleurs, qui bosse justement sur les plages et les côtes en général. Il précise aussi à Dunkerque. Hein, oui, bon. Oui. Enfin, Dunkerque à Vimereux, non ? C'est Boulogne, non, plutôt. Alors, Vimereux, c'est un peu plus au nord, oui. C'est après Ambleteuse et tout ça. Mais ça doit dépendre de l'île, là, je pense. La station marine de Vimereux, je crois qu'elle dépend de la fac de l'île. Alors, c'est les coins qui sont un peu loin. Je suis désolé, je ne connais pas très très bien. Je suis un peu honteux. Mais... merci beaucoup en tout cas. Merci de rien, c'était un plaisir. Et merci aussi à Adrien d'être intervenu, Clarita, sur ce sujet. D'ailleurs, Adrien, remercie de la réponse qui a été faite concernant les flux et les choses érodées dont on a parlé tout à l'heure et qui va s'intéresser et télécharger la thèse de Prémaillon pour avoir des précisions. Et d'ailleurs, Fabrice, il t'a remarqué et tu lui as répondu, il te faisait un petit, voire un grand bonjour. merci beaucoup, Vincent. C'était très, très intéressant. On va passer à la rubrique suivante. On va aller chercher la roche mystère. On va jouer un petit peu, mon chéri, n'est-ce pas? Tu voulais ajouter? Ouais, c'est bien ça. On va jouer, hein, c'est ça, Yves? Ah oui, on va jouer, alors là, super, super, moi, super. J'ai vu une photo sur Facebook, alors je crois que c'était de la tranche et le profil que j'ai vu, j'ai trouvé que c'était très pâtissier comme roche. C'était une espèce de tranche napolitaine avec de la génoise, avec un craquant au chocolat, avec une petite crème ou une petite meringue dessus, je ne sais pas trop. Mais ouais. On va accueillir d'autres invités, Mystère, et qui va nous présenter la roche Mystère du même nom. Exactement. Salut, où est-il, Jean-Louis? Jean-Louis est là. Content de te voir et content de te voir ici. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Tu bien. Alors, on va jouer. On va jouer. Donc, dans un premier temps, la roche que tu nous présentes, Jean-Louis, moi je l'ai présentée sur Facebook et Instagram. J'ai présenté d'abord cette photo-là, puis celle-là. Mm-hmm. Voilà. Alors j'ai eu deux hypothèses. On va voir s'il y en a de nouvelles. Deux hypothèses. La première hypothèse, c'était par rapport à celle à la première. Voilà. Ça serait une pellite. Voilà, on voit un débit en feuillet, donc une petite schistosité, mm-hmm. donc un schiste de type pellitique. Après, deuxième hypothèse par rapport à celle-là, il y en a qui ont émis l'hypothèse d'une cinérite. Alors, d'une cinérite, ça veut dire qu'en fait, c'est une roche consolidée de poussière volcanique. Voilà. Alors, on va faire jouer les auditeurs, là, est-ce qu'ils aimeraient avoir d'autres renseignements? Alors déjà, tu nous donnes un indice, Jean-Louis, alors où as-tu récupéré cette roche, Jean-Louis? Eh bien, cette roche, je l'ai récupérée il y a à peu près 30 ans maintenant, lorsque j'ai visité une mine au nord-est d'Alès, en France, je l'ai remonté prise à 300 mètres à peu près de profondeur et le mineur qui préparait le front de taille avec des forêts pour y placer des mines m'a donné cette pierre en me disant ben voilà, t'as de la chance parce que celle-là elle est pile poil sur le toit de la mine et je l'ai remonté et je l'ai gardé longtemps sur mon bureau pendant des années. Souvent, on me demandait de raconter d'où elle venait, ce que je faisais. Et voilà, donc je suis très content qu'elle ait trouvé une deuxième vie parmi ta collection de minéraux. Au moins, c'est bien. Et de roches. Maintenant, j'aimerais bien que les spécialistes nous racontent un peu l'histoire d'avant, c'est-à-dire comment cette roche est apparue. Et puis après, à la fin, si ça vous intéresse, je vous explique quelle utilisation on peut en faire et pourquoi on extrayait cette roche. Mais
comme elle est sur le toit de la mine, je vous laisse la question. Le minerai, c'est le minerai blanc ou le minerai noir? C'est la bonne question. À vous tout à fait. De creuser fait. La piste. De creuser la piste. Alors, bah, j'attends les... Alors, pour l'instant, ça sèche. Hein. Je vois rien qui apparaît. Oui, qui apparaît. Un autre indice, alors, Jean-Louis, un peu plus grossier quand même pour mettre les gens sur la piste, sans être trop grossier, bien alors, sûr. Alors, moi, l'indice que je peux donner, c'est celui-là. Alors là, vous voyez, là, cette photo, je ne l'avais pas mise sur Facebook, Instagram. Là, en fait, tu l'as coupé, Jean-Louis, et puis tu l'as poli. Mmh. Oui. On voit très bien ces lits, ces petites couches millimétriques. Alors, ça aurait été bien que je mette une échelle. Bon. Et on voit que bah, c'est une roche de type sédimentaire. Après, roche sédimentaire, est-ce que c'est détritique, c'est biologique, biologique détritique, est-ce que c'est volcanique? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, alors, je vous montre. Hein. Voici. Alors, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Dès qu'on a une roche de type sédimentaire, la première chose à faire, c'est de déposer une petite goutte d'acide chlorhydrique. Et on voit que eh bien, la roche fait effervescence, dégage du CO2. Donc, c'est une roche de type calcaire. Mais la question qui se pose, c'est d'où viennent ces taches noires là? Vous voyez très bien ces taches noires là. Alors, on va donner la parole à Fabrice. Alors, Fabrice, il faudra la sentir aussi, cette roche, Fabrice? Yes, j'adore. En fait, j'adore ce petit job là, parce que oui. Ça, c'est un truc, à chaque fois, je demande aux étudiants de venir à la fac avec des roches. Et le petit jeu, c'est d'essayer de savoir ce que c'est, d'où ça vient et à quoi ça sert. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, première chose, là, tu l'as très finement exprimé. C'est une roche qui est stratifiée, donc on s'oriente vers une roche sédimentaire. Les fines lamines, c'est vrai que là, on ne les voit pas très bien, mais on les distingue bien, a priori, sur la partie claire qui est au-dessus. Oui. Donc, les lamines, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à des dépôts qui peuvent être le fruit d'alternances saisonnières ou une certaine rythmicité, en tout cas. Ah oui. Et on voit que certaines zones sont plus claires que d'autres. On distingue également quand même des litages dans la partie inférieure. Dans la partie noire, par contre, je ne vois rien, la partie de base. Alors, il n'y a pas d'échelle, mais j'imagine que ton caillou, là, il alors, doit faire 400 cm. Je vais te le montrer, là, le caillou. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer maintenant avec ma caméra. Tu peux voilà. Le hop. Voilà. Voilà la taille de l'objet. Alors, je te remets. Voilà. Ah oui, j'ai mis Vincent. Désolé, Vincent. Je vais mettre Fabrice. Voilà. Ah, oui, là, je suis un peu... Voilà. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Autant pour moi. Voilà. Tu vois la taille de la roche. Donc, l'autre particularité, pour connaître le nom de la roche, là, c'est... Est-ce qu'on voit des grains? Est-ce qu'on n'en voit pas? Et là, visiblement, on ne voit pas de grains dedans. Donc, c'est une roche sédimentaire à grains fins. Alors, étant donné qu'on ne voit pas les grains, eh bien, on a un gros souci, c'est pour l'identifier. Et là, bah, on va formuler des hypothèses et on va se poser la question, c'est qu'est-ce qui possède des grains de très petite taille comme ça? Alors, tu as évoqué tout à l'heure, et tu disais que les auditeurs avaient dit que c'était potentiellement une cinérite, c'est ça? Oui, il y en a qui ont fait l'hypothèse de la cinérite. Ah. Alors les cinérites, en effet, oui. Sont des... Ouais, mais ça ne ferait pas effervescence à l'acide chlorhydrique. Ah oui, c'est ça, exactement. Exactement. Alors, parce que les cinérites sont le fruit d'éruptions volcaniques et... Il y en a qui émettent l'hypothèse d'un leucine. Alors, l'odeur. L'odeur, et là, on va demander à Jean-Louis. Quand elle est dans la mine, Jean-Louis. Le problème, c'est qu'on va demander... découper un leucine, je n'ai jamais réussi, moi. Ah, d'accord. Et pourquoi tu as... Alors, on va demander à Jean-Louis, quand il a découpé le caillou, est-ce que le caillou tenait bien? Ah oui, très bien, oui. Alors, comment il a été découpé, ce caillou, Jean-Louis? Je l'ai coupé à la scie.
À la scie, okay. À la scie à main, à la scie circulaire, à la scie... Je pense que c'est à la scie à main. Okay. Je ne me souviens plus, ça fait longtemps, ça fait 30 ans que j'ai coupé en deux. Alors, voilà. Ce que je peux quand même dire, c'est que pour essayer d'aider ceux qui cherchent, le minerai, la partie intéressante est la partie noire. Et quand, quand les roches sortent de la mine, elle est broyée, enfin la partie noire est broyée pour obtenir une poudre très très fine. Voilà. Okay. Donc je ne sais pas si ça peut aider. Et on a une oui. poudre qui ressemble un peu à, je dirais presque de la farine, extrêmement fine. D'accord. Avec des particules très très fines. Hein. Et Jean-Louis, alors, quand tu es allé dans cette mine, il y avait une odeur particulière ou pas ? Je pense que oui. De mémoire, je ne peux pas l'affirmer vraiment, mais devait y avoir une odeur. Ouais. D'accord. Alors justement, Yves. Oui. Toi, la partie noire, là. Oui. Tu vas me redonner la main, s'il te plaît, et je vais te montrer des photos. Tout à fait. Je regarde quand tu as les là, photos. J'ai regardé un petit peu. Il y en a qui parlent de... Attends, bouge pas. Elle serait argileuse ou silteuse. Ouais, tiens. Alors, je te montre ça, par exemple, ici, là. Voilà. Tiens, tu vois ma photo, là ? C'est bon oui, ou pas ? Tout à fait, tout à fait. Tu vois ma photo ou pas ? Oui, je la vois. Yves, est-ce oui. que tu vois ma photo ? Oui. Ouais. Donc je là, j'ai une roche de teinte claire avec des niveaux noirs, là, tu vois, dedans ? Oui. Alors ça, par contre, je les ai découpés. Les niveaux noirs ne faisaient... Ouais, alors pour info, les niveaux noirs ne faisaient pas effervescence à l'acide chlorhydrique, là, ceux-là. D'accord. Ils n'avaient pas d'odeur, ceux-là. Et je t'en montre un autre. En fait, ça rayait le marteau, hein, donc c'était des niveaux, c'était de la silice, tout simplement. Attends, je te cherche une autre photo où j'ai des trucs de ce genre-là. Voilà, ça c'est mon caillou, tu vois, avec des bandes sombres. Mm-hmm. Et je recherche, voilà. Et voilà une autre roche. Tu la vois celle-là ou pas ? Oui, alors je la vois. Voilà, on la voit très très bien. Si tu peux juste masquer. Yves, tu vois ou pas ? Je vois très bien, oui. Je vois très bien. Allô ? Oui, je vois très bien. Tu m'entends plus ? Non. Ouais, non, mais c'est très bien. C'est parfait. Alors, okay. Je le remontre. Oui, exactement. Est-ce que tu peux alors c'est ça. Juste... Regarde. Ici, j'ai du noir aussi. Ça forme oui. des couches. Oui. Et Clarita émet l'hypothèse. Oui, tout à fait. Et Clarita émet oui. l'hypothèse de lignite. Ok. Eh bien, là, le noir, par contre, il était très facile à découper. D'accord. Mais alors, la silice, quand tu la découpes, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur particulière. Par contre, ce noir-là, il a une odeur particulière quand tu découpes la roche ou quand tu la casses. Et là, on va demander à Jean-Louis, justement. Jean-Louis, quand le caillou il a été arraché ou cassé ou scié, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui s'est libérée ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense pas okay. Franchement, non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une roche qui est quand même très, très dure. Hein. Puisque l'extraction se fait à la dynamite. Donc, okay. Alors là, voilà. Ouais. Par exemple, là, il y a Adrien qui parlait de l'œuf. Bah, le l'œuf, en fait, il serait pas dur comme ça, quoi. La houille, alors la houille, c'est donc une variété de charbon. Là, et bah, l'odeur serait pas forcément forte. Bon, allez, on donne la réponse. Allez, on donne la réponse. Je te laisse, Fabrice. Alors, le lieu ? Alors, le lieu, Jean-Louis, le lieu ? Vas-y. Le lieu, c'est un petit mètres. Village. Alors, le fait que ça fasse... Le gars. Oui. Pardon, Rodi ? Le lieu, c'est un petit village qui s'appelle Saint-Jean-de-Margerolles, dans le Gard. D'accord. Et c'est une mine qui, aujourd'hui, est fermée depuis plus de 20 ans. Oui, hein. D'accord. Alors, la roche, en fait, c'est un calcaire asphaltique. Voilà. Alors, c'est quoi un calcaire asphaltique, Fabrice ? Alors, un calcaire asphaltique, c'est un calcaire. Ouais, un calcaire asphaltique, c'est un calcaire. Là, le diagnostic du calcaire, il est validé par le test à l'acide chlorhydrique qui permet de dire que la roche contient des carbonates.
Après, le caractère un peu fin, on peut peut-être dire que c'est un calcaire marneux, sans doute. Ça, c'est à vérifier. Donc, potentiellement, il y aurait peut-être un peu d'argile dedans. Asphaltique, ça validerait le côté... alors, ça sera reconnaissable par la couleur noire. Mais il y a plein de minéraux qui sont noirs. Donc, il faut être vigilant. Par contre, si c'est asphaltique, dans ce cas-là, c'est... des éléments carbonés, et les éléments carbonés de type asphalte, ils ont une forte odeur de soufre qu'on peut reconnaître en cassant la roche, et il faut sentir après à l'intérieur, ou en suant le caillou et en sentant. Cette odeur, par contre, elle a tendance à disparaître après, avec le temps. Il faut recasser et pour constater qu'il y a encore de ça dedans. Parce que c'est très volatile, alors, quoi. Ouais. Alors, c'était Jean-Louis qui avait une question par rapport à c'est quoi le minerai. Le minerai, c'est la roche globale ici. Ce qui est recherché, c'est si c'est de l'asphalte, dans ce cas-là, ce qui est recherché, c'est le truc noir. Le calcaire, il s'en moque. Donc après, il doit y avoir des traitements qui permettent d'éliminer le carbonate et de garder que le niveau asphaltique. Oui, tout à fait. Alors, je vais redemander à Jean-Louis, tu peux me redonner le nom de la ville, s'il te plaît? Alors, la Saint-Jean. On va regarder sur la carte. J'y vais vite fait. Ruijol. Tu l'as pas? Oula, j'ai pas entendu, mais je vais rechercher. Saint-Jean. De quoi? Saint-Jean. Saint-Jean de Maruijol. U-E-J-O-L. Est-ce que tu l'as? Ok, j'y vais. Ah non, je ne l'ai pas. De toute façon, ce n'est pas grave, c'est à côté d'Alès, hein, c'est ça? C'est, je vais y aller comme ça. C'est au nord-est d'Alès. Ok, donc Alès, je vous le montre d'un point de vue géologique. Alès, c'est un lieu qui est hyper intéressant et qui, j'enlève... Fabrice. Donc Alès, c'est Est-ce que tu peux juste masquer, si tu veux, ce qui est le bandeau que tu as en haut, il y a marqué arrêter le partage, mais juste tu t'enlèves masquer parce que c'est juste un peu en haut. J'enlève ça. Ouais. C'est bon. C'est ça. Masqué. Voilà. C'est très bien. Bon. Merci Fabrice. Okay. Vas-y. Je t'en prie. Hop. Très rapidement, je vais. Alès, c'est une ville du Gard qui est connue sur le plan géologique par un fossé, qu'on appelle un fossé tectonique, qui est limité par deux failles normales que l'on voit très bien sur la carte géole de la France au million. Est-ce que tu le vois, Yves, là, ça? Tu peux me confirmer? Oui, je vois très bien, oui. Je vois très bien les failles. Okay. Oui. Alors, on s'aperçoit, parce que là, on a une information, là, ils indiquent qu'il y a 1000 mètres de sédiments à l'intérieur de ce fossé. Ouais. D'accord. 1000 mètres, c'est ce que je vois ici. Là, il y a marqué 500 et 1000 ici. Mm-hmm. Ça, c'est l'épaisseur de roche. Alors, l'âge des roches qui a rempli ce fossé tectonique, eh bien, on voit qu'en dessous, il y a du E2. Le E2, c'est de l'éocène. L'éocène, sup. Mm-hmm. Et puis, il y a du G, c'est-à-dire de l'oligocène. Alors, on va chercher maintenant la... une petite information complémentaire sur ce fossé tectonique. Il est rigolo parce qu'à l'intérieur, il y a du vert. Tu le vois en bas, là, à gauche? Oui, il y a un peu de vert. Au sud-ouest. Oui. Ouais. Alors ça, c'est des morceaux de... J'avais fait la coupe géole quand j'étais étudiant à Angers. Et en fait, c'est des morceaux de la montagne ici qui ont glissé dans le bassin tectonique quand il s'est mis en place. On appelle ça des holistolites. Oh. Voilà, c'est la petite histoire. Oui. C'est une curiosité géologique hyper intéressante. Alors, je vais regarder et on va essayer de retrouver la ville dont parlait Jean-Louis. Alors, j'aille là. C'est pas ça, là? Saint-Jean de Maruéjol, c'est ça? C'est ça. Et Avéjean. Ok. C'est ça. Alors, je vais essayer de trouver. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, il est précisé qu'on est dans de l'éocène. Il y a des fossiles. Ah voilà, tiens, regarde là. Est-ce que tu vois? Parce que vous voyez, il y a marqué mine d'asphalte. Ah oui. Là, il y en a deux là. Il y en a une autre là.
Tout à fait. Les points noirs, c'est des forages. C'est-à-dire que cette zone, elle a été, y a des forages qui ont été réalisés. Et il y a marqué BIT là. Tu vois, BIT, c'est bitume. Ah oui, d'accord. Bitume, voilà. Là, il y a le symbole fossile. Le WF, c'est fossile. Et là, c'est le symbole d'une mine. Là, il y en a une autre là. Ok, et une autre là. Alors là, c'est une mine avec un point, ça veut dire qu'elle a été remblayée. Alors, on va regarder ce que c'est comme type de roche ici. Et donc, il précise que ce sont des calcaires et marnes feuilletées. Feuilletées, bah, en feuillet. Oui, on l'a vu. Alors, on ne va pas parler de schiste parce que le schiste, c'est plus pour les roches métames. Oui. Au sens strict, hein, au sens large, oui, on peut le mettre, mais au sens strict, c'est plus métames. Donc, calcaires et marnes. Et il est marqué ludien. Ouais. Oui. Alors le Ludien, qu'est-ce que c'est? C'est une période géologique, un état géologique qui fait partie du Priabonien. Alors le Priabonien, qu'est-ce que c'est? On va regarder sur l'échelle stratigraphique. Le Priabonien, il est là. Et c'est donc le dernier étage de l'Éocène, ici, entre 37 et 33 millions d'années. Oui. Voilà. Et c'est juste avant l'Oligocène. D'accord. Voilà pour ça. Alors, je retourne là-dessus, sur InfoTerre, pardon. Et si je veux en savoir plus, parce que là, Jean-Louis, tu as dit que tu avais trouvé ce truc-là à combien de mètres sous terre? C'est 300 mètres à peu près, je pense. 300 mètres. Alors, là, j'ai été sur la banque du sous-sol et je vois qu'ici, par exemple, j'ai un puits, là. Et ça va jusqu'à 116 mètres. Bon, ça ne va pas atteindre les 300, mais ce n'est pas grave. Et donc là, j'ai un log géologique qui ne donne pas grand-chose. Non, il n'y a pas d'infos. Je vais en chercher un autre. Là, je vais prendre celui-là. Là, j'ai 274 mètres. C'est pas mal, ça. Moi, ça doit être dans ces eaux-là, oui. Et là, ils mettent que c'est du calcaire de l'Oligocène. On a très peu d'informations géologiques, par contre, alors, sur ces... Cet asphalte, c'est de la matière organique. Alors, quelle est l'origine de cette matière organique? Oui, alors là, c'est compliqué parce que pour connaître l'origine de la matière organique, Yves, il faudrait faire une analyse chimique pour connaître la nature de cette matière organique et notamment les chaînes carbonées, savoir dans quel état elles sont. Et maintenant, avec la géochimie, on arrive à retrouver l'origine de cette matière organique. On peut, bon, là, l'asphalte, généralement, c'est plus lié à l'accumulation de matière organique d'origine végétale dans de l'eau, en fait, surtout dans de l'eau. Donc, peut-être des algues, tout simplement. Et si on avait du charbon, par contre, si c'était du charbon qui était là-dedans, là, on serait plus sur des résidus organiques de végétaux, mais continentaux, c'est-à-dire les végétaux supérieurs, quoi, qui sont supérieurs, entre guillemets, quoi. Les arbres, les fougères, etc., les lycophytes. Alors dans la lithothèque de l'Académie de Montpellier, il marque que l'origine, c'est un lac, alors. D'accord. Alors là, on revient dessus, mais là, il y a marqué F, le WF, là. Et on avait dit que c'était quoi déjà, Yves? Fossile. Le WF, il y en a un autre là. Fossile. Donc là, il faudrait regarder dans le détail quels sont les fossiles qui ont été trouvés dans ces roches, dans ces calcaires et marnes. Alors là, j'ai pas l'information. Là. Il faudrait télécharger la notice de la carte géologique pour le savoir. Mais de mémoire, parce que moi je me souviens, j'avais fait cette coupe il y a longtemps, mais là on était sur des formations continentales lacustres. Ça doit être ça, normalement. Donc c'est un équivalent, et là d'un site que tu connais bien, Yves, parce qu'on a eu l'occasion d'y aller l'an dernier. Oui. C'était la carrière du Grand Gandaya. Ça ressemble beaucoup, hein, très pourtant. Je reviens en arrière, je vais enlever la banque du sous-sol, on revient là-dessus et là, on va demander à Jean-Louis d'intervenir là. Jean-Louis, donc là, on a la couleur jaune qui se trouve dans un bassin limité par des traits noirs, des failles, et visiblement des failles qu'on appelle des failles normales, des failles en extension. Alors, je vais montrer un autre bassin sédimentaire qui ressemble à celui-ci.
hop, dans lequel il y a les photos de ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, bah, d'ailleurs, c'était des calcaires marneux, hein, dans lesquels il y a aussi des fossiles. Voilà, alors c'est cette zone qui est en jaune ici, à côté de Clermont-Ferrand, qui est limitée également par des grandes failles, qui ont l'orientation ici nord-zéro, quasiment, nord-sud, quoi. Et dans lequel il y a du G, c'est-à-dire de l'oligocène. Et là, par contre, en termes d'épaisseur de sédiments, ça peut aller jusqu'à 2000 mètres d'épaisseur de sédiments. Voilà. Donc ça ressemble énormément à ce qu'il y avait à Alès, mais en plus grand et en plus profond. Alors, la petite subtilité ici, c'est que quand on regarde sur la carte géologique de Clermont-Ferrand, eh bien, je vais aller justement à côté du Grand Gandaya, j'essaie de le retrouver. Clermont-Ferrand est ici. Voilà. J'essaie de retrouver mon lieu. Hop. Aéroport. Attends, j'essaie de. Je suis un peu perdu là. Non, c'est Rion, je suis trop haut. Ah, désolé. En fait, là-bas, il y a également le mot BIT. C'était quoi déjà? BIT? Bitume. Le bitume. Alors, où est-ce qu'il est? Après, on va peut-être passer aux applications. Ouais. Tiens, voilà, le voilà, je l'ai. Bien. Tiens, il est là. Vous allez le voir. BIT, vous le voyez? BIT, oui, bitume. Oui, tout à fait. Et en effet, bah, c'est là, c'est dans cette carrière ici que j'ai retrouvé les roches que je vous ai montrées tout à l'heure et qui ressemblent beaucoup à l'exemplaire que Jean-Louis a récupéré. Avec une petite particularité supplémentaire, c'est que du côté de Clermont-Ferrand, justement, il y a un puits qui s'appelle le puits de la Poix, qui a été exploité. Et qui ensuite. Alors, c'est une source, hein, c'est une source, mais l'eau qui sort de là est riche en bitume. Donc, ben, bien sûr, il ne faut pas la consommer. Alors, à quoi peut servir le bitume? À quoi peut servir l'asphalte? Jean-Louis va nous en parler. Ah, alors, Jean-Louis, tu nous en parles. Jean-Louis, tu vas en plus, ça va nous permettre de nous éclairer un petit peu sur ce qu'a été ton travail, puisqu'il y a une relation évidemment entre la roche que tu nous as présentée, fait découvrir, et ce que tu as fait pendant toute ta vie professionnelle. Raconte-nous un petit peu les applications de cette roche. Donc, l'asphalte, on trouve par exemple des traces très anciennes d'utilisation, par exemple pour les jardins suspendus de Babylone, hein, pour assurer l'étanchéité. Des jardins. Moi, j'ai pas connu le jardin de Babylone, mais j'ai connu la ville de Rouen, par exemple, pendant des années, où on utilisait beaucoup d'asphalte pour réparer les chaussées. En fait, on a beaucoup utilisé l'asphalte au 19e et au 20e siècle pour recouvrir dans les villes les rues qui étaient en pavé. Et qui était bruyante et qu'il fallait insonoriser plus ou moins et réparer. Donc la technique étant d'utiliser de l'asphalte en faisant un reprofilage des voiries avec du béton et en coulant l'asphalte sur le béton. L'asphalte a plein d'avantages. Il a un inconvénient, c'est qu'il a besoin d'une structure pour pouvoir être utilisé en voirie. Contrairement au béton. C'est-à-dire, tu peux préciser une structure. La structure, ça veut dire que dans le cas où je parlais des chaussées en pavé, on a une structure en pavé qu'on renforce en plus avec du béton et on a une structure qui permet de résister et l'asphalte vient en application par-dessus pour étancher la voirie et pour faire une couche de roulement. En gros, c'est ça. D'accord. Donc, il doit être maintenu par une structure existante. En voilà. Fait. Contrairement à l'enrobé qui est apparu dans les années 50-60, qui, lui, n'a pas besoin de structure. Il suffit de compacter le sol et on applique directement l'enrobé sur des plus importantes épaisseurs puisque l'asphalte, ça s'applique à la main, à la spatule. Donc, c'est un travail très, très, très fatigant, très, très éprouvant. Alors que l'enrobé, on l'étale maintenant avec des finishers, mais sur des couches de minimum 6 à 10 cm. Mais on a la structure
qui est incorporée dans la robée, alors que dans l'asphalte, on ne l'a pas. Et là, on a une coulée d'asphalte sur une bouille, on voit qu'il y a les graviers, donc en fait, l'asphalte n'est pratiquement plus utilisé aujourd'hui, et l'asphalte qu'on trouve en voirie, c'est de l'asphalte reconstitué, et on y ajoute une structure, une charpente avec des matériaux, souvent des quartzites ou du porphyre, pour donner une structure, hein, un squelette à l'asphalte qui est très mou. Hein, voilà. Donc ce que je peux vous dire sur l'asphalte. Et on utilise encore l'asphalte pour les quais de métro, les trottoirs, parce que c'est un revêtement qui est très marchand, contrairement à la robée. Sur l'asphalte, on marche bien. Et aussi plus sur confortablement, les couchers, oui. Alors là, on voit les trémies, par exemple, ce que montrait Yves, là, on voit des trémies. L'asphalte est broyé sur place, transporté après sur l'unité de fabrication, et après incorporé dans un pétrin fixe. Hein, et il faut une nuit pour faire une coulée d'asphalte. Hein. On met l'asphalte, on met les graviers, les filaires, et après on part avec un camion comme ça et on met l'asphalte avec des seaux sur le béton. Voilà. Voilà comment. Mais c'est un matériau qui est en voie de disparition. Très complet. Merci, en tout cas, merci beaucoup, ouais. Jean-Louis. C'était très complet. T'as été un peu frustré parce qu'on a deux enquêteurs hyper talentueux qui nous ont épatés. Ils t'ont trouvé ça, Sherlock Holmes et Watson à côté, c'est des ridicules. Donc, t'as dû être un petit peu frustré. Il y a Adrien qui avait suggéré, Yves, en plus de sentir la roche, que tu puisses éventuellement la goûter. Okay. Moi, j'avais téléphoné à Doctolib pour prendre un rendez-vous chez un dentiste dès demain matin, mais j'ai pas osé te déranger avec ça. Alors, attends. Bon, alors, bonne. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Je vous souhaite une bonne fin d'émission. Hein. À bientôt. Ça marche. Hein, à vous. Merci à toi. Allez, à bientôt. Au revoir. Yves. Oui. Oui, je me suis permis, là, j'ai regardé dans mes photos, justement, je te montre. Tiens, bah vas-y, prends ma photo. Là, c'est un des morceaux de calcaire, justement. Fraîchement cassé dans la carrière du Grand Gandaya sur la commune de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous le voyez, oui, ou pas? Tout à fait. Donc là, ce qu'on ne voit pas, c'est au goût, bah, pour répondre à Adrien, ça, faut pas le lécher, hein, c'est pas bon. l'autre particularité, par contre, c'est l'odeur très forte. Alors je vous en montre également un autre où on voit très bien le bitume. C'est en bas. Voilà, c'est cette photo. Regardez cette photo. Vous la voyez, oui, ou pas, là? Ouais, magnifique. Et donc, en plus, c'est collant. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est collant. Comme pour les Dalton. Absolument. Alors, les Dalton, c'était du goudron, mais le goudron, c'est autre chose encore. Ah oui, d'accord. Et je me permets également, puisque j'ai retrouvé mes photos du puits de la Poix. Bah oui, je me rappelle. Le puits de la Poix, voilà, avec un sentier, ça se visite, vous voyez, ça ne sert pas qu'à trouver sentier de l'asphalte ou du bitume. En fait, c'était aussi un site qui était visité, les gens, c'était une curiosité que les gens venaient voir. Et là, on voit le noir ici, là, le truc bien, bien, bien sale. En fait, ça vient de la source qui est là. Alors, a priori aussi, moi, ça, j'en ai entendu parler. Souvent, les gens se mettaient ça aussi comme médicament quand tu avais des plaies. Je ne sais pas. Il faudrait demander à un vrai médecin ce qu'il en pense. Mais souvent, il y a ce syndrome-là. Là. D'accord. Voilà pour le... Bon, merci, les amis, pour cette rubrique-là. Je te propose qu'on avance. J'en ai dans le Jura, avec mes amis spéléologues. Là, on avait fait une visite dans une ancienne carrière d'extraction de schiste bitumineux. Mais toujours, encore une fois, avec cette... c'était du calcaire encore. Hein. C'est une bonne roche, des marnes. Et avec la forte odeur dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, les cailloux, ça se regarde. Et les cailloux, ça se sent. Alors, il y a une question, c'est d'où vient l'odeur de soufre? Il y a Jeff qui demande d'où vient l'odeur de soufre dans le minéral. Oui. Bah, de la matière organique. D'accord. Parce qu'elle en contient. Bien. Bon, bah, on va passer. Fabrice, on te garde, reste bien dans le quartier parce qu'on va te garder pour que tu discutes
avec notre ami Thierry de la rubrique Géo Minéral. Et ce soir, c'est du blues, du blues, du blues. Que du bleu, que du bleu. Bonsoir Thierry, ça va ? Bonsoir Louis, ça va ? Ça va bien ? Eh bien écoute, je vais te laisser papoter avec l'ami Fabrice. Bonjour. Vous allez salut, parler Fabrice. De l'azurite. Très jolie pierre. Et tiens, une question. Est-ce que c'est considéré comme une pierre semi-précieuse ? À vrai dire, j'aime pas beaucoup le terme semi-précieux parce que c'est un terme un peu marchand. Ça correspond pas vraiment à une réalité. les pierres sont précieuses ou elles ne le sont pas, en gros. Il y en a quatre pierres précieuses, hein, diamant, saphir, rubis, oui. Émeraude. Je préfère utiliser encore le mot pierre fine pour les pierres qui sont marchandes ou taillables. Bon, ben je vous laisse dans la finesse, les amis. Hein. Allons-y. C'est parti. Allez, on y va, Thierry. Impeccable. Donc, tu as choisi l'azurite. C'est un minéral que j'adore et je connais des gens autour de moi aussi qui l'aiment bien, celui-là. Alors, est-ce que tu peux nous préciser déjà d'où vient ce nom, azurite ? Alors, c'est une très vieille origine, puisque ça vient du persan. Alors, je ne parle pas persan, mais ça s'écrit Lazvard, Lazhwarde. Hein, et ça veut tout simplement dire bleu. Hein, et le nom a donc été repris ensuite pour donner l'azurite. Alors, quand j'étais gamin, il y avait la lazulite et la lazurite. Alors, c'est vrai que les deux ne s'écrivent pas de la même manière. Alors, il y a, c'est encore un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a l'azurite L'apostrophe, il y a la lazurite et il y a aussi la lazulite. Okay. Donc, trois espèces différentes qu'on est susceptible de confondre par le nom. Mais ce sont des minéraux qui sont très différents, aussi bien par leur propriété que leur mode de gisement. Alors, bah, azurite, azur, bleu, c'est ce que nous a évoqué Loulou. Là. Tu peux nous en montrer là, en photo, justement, puis on va essayer de voir, discuter ensemble des critères d'identification de ce minéral. Oui. Vas-y. Alors, est-ce que là, c'est partagé ? Moi, je l'ai partagé. Yves ? Non, j'ai... alors, pardon, je... Non, parce que j'ai. Là, voilà. Ouais, j'ai un écran noir. J'ai rien, Thierry. Ah, étonnant. Je l'ai vue tout à l'heure, hein. Elle était là. Ah bon. J'en ai vu une, mais maintenant, oui, en effet, c'est noir. Alors, je vais refaire peut-être le partage. Oui. Alors. Alors, pendant ce temps-là, Thierry, alors, ce minéral, c'est. C'est de quelle famille en fait ? Parce que les minéraux sont classés sur le plan chimique en nombreuses familles. Celui-ci fait partie de quelle famille ? Alors, c'est la classe chimique des carbonates. D'accord. Donc, il fera effervescence à l'acide chlorhydrique ? Voilà, c'est d'ailleurs un critère essentiel, c'est l'effervescence dans les acides qui permet à distinguer à tous les coups. Oui, tous les minéraux qui lui ressemblent n'ont pas cette effervescence. Alors, je ne sais pas pourquoi le partage ne fonctionne pas. Alors, cette couleur bleue là, donc, que tu évoquais, là, elle est liée à la présence d'un élément chimique particulier ? En plus des carbonates ? Bien sûr, c'est un carbonate de cuivre. D'accord. Donc, le bleu vient du cuivre. Ok. Donc, le cuivre... Concrètement, tu peux avoir du bleu, du vert aussi, avec la malachite par exemple. Alors, la malachite, c'est presque la même formule chimique, c'est aussi un carbonate de cuivre. Ils sont d'ailleurs intimement liés dans la plupart des cas. Quand on a de l'azurite, on a également de la malachite. L'inverse est souvent vrai, mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors, et pour le cuivre, autrement, quand il est natif, il a une couleur cuivrée. Donc, ça nous fait trois couleurs pour le même élément chimique. Bleu, vert ou cuivré.
Oui, et souvent on a dans les minéraux qui sont en profondeur plutôt des nuances dans les gris, alors qu'en surface on va voir toute une gamme entre et le bleu, donc les turquoises, etc. Tu as un petit souci pour partager ton écran, Oui, en fait, Thierry? quand je clique, quand je clique sur le partage, il ne fait rien. Ah. Il ne veut pas. En fait, Il est grisé. Il est grisé. Il fait rien du tout, il n'est même pas grisé. Il est Ah, blanc d'accord. et ça ne fait rien, alors je ne sais pas pourquoi. Alors attends, moi, je vais partager mon écran et puis on va faire Azurite. Allez, hop, on va. Un écran. Alors, Azurite, je ne sais pas si c'est ce que tu veux. Du Parce que, live? bah, oui, mais bon. Voilà. Hop, allez. On va ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Alors, l'Azurite, je vais partager mon écran en moi. Voilà. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'il y a des critères là qui sont intéressants, Thierry? Alors, les critères. En fait, l'azurite, c'est un minéral qui peut avoir des formes extrêmement variées. On dénombre une bonne centaine de formes cristallines différentes. Donc là, on a des prismes qui sont allongés. Ils peuvent être trapus, ils peuvent être presque rhomboédriques. Alors, le rhomboèdre, hein, c'est comme un cube, sauf qu'il n'y a aucun angle à 90 degrés. Hein, six faces. En losange. Et ces cristaux peuvent aussi se grouper pour former des agrégats, des assemblages. Et donc ces assemblages peuvent donner des formes extrêmement variées. Ça a des plans de clivage, ce minéral? Alors il y a des plans de clivage dans plusieurs directions, mais je dirais que le clivage n'est pas un très bon critère d'identification, généralement pour l'azurite. Il y a surtout un clivage longitudinal, en fait, qui suit la striation. D'accord, donc les stries, c'est ce que l'on voit sur la photo là, Oui. Oui. en partie externe. Et ben, les plus gros cristaux d'azurite, ça fait combien à peu près en taille? Alors, on va dire que quand on dépasse les 5 cm, on commence à avoir des bons cristaux, Ouais. mais il en a été observé de plus de 20 cm. D'accord. Donc, effervescence à l'acide chlorhydrique, solubilité ou pas dans l'eau? Dans l'eau, pas du tout. Non, non, non. Pas du tout. En tout cas, peut-être à l'échelle des temps géologiques, mais pas à notre échelle. Oui, ok. Et alors, on les trouve dans quel type de roche, en fait, ces minéraux Alors, d'azurite, là? Tu as dit que c'était souvent associé à la malachite, hein, c'est ça? oui, en fait, c'est un minéral qu'on trouve dans les zones d'onction des gîtes de cuivre. Donc, en fait, D'accord. pratiquement chaque fois qu'on a un gisement de cuivre quelque part, dans la partie superficielle, là où l'eau circule, là où on est proche de l'oxygène, il y a une altération qui se produit et ça peut donner de l'azurite et de la malachite également très souvent. Et il arrive des fois D'accord, donc que ouais, voilà. Là, il y a une photo où on voit l'association des deux. c'est que systématique hein, d'avoir D'accord. la malachite dès lors qu'on a l'azurite, alors que l'inverse n'est pas toujours. Et d'accord. Et concernant ce minéral, donc on va le retrouver en forme de concrétion, alors, puisque si c'est un minéral lié à l'oxydation et l'altération des roches, Alors du coup, la malachite, oui, c'est pareil, hein. oui, ça existe sous forme de concrétion. Ça peut former des boules, ce qu'on appelle des sphérolithes, des formes un petit peu stalactitiques. En fait, on va voir cette croissance par couche. On peut avoir des petits globules, mais le souvent, en fait, on trouve sous forme soit d'encroûtement en surface, hein, sur la gangue, sur les roches, Magnifique.
ou alors tout simplement en enduit. Ça cristallise également, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt des petits cristaux. Alors moi, j'ai une question justement, parce que les malachites, on les connaît bien, lorsqu'elles sont découpées et polies, là, c'est magnifique avec justement ces concrétions. Est-ce qu'il y a la même chose avec l'azurite hein, en bleu? Pardon, je n'ai pas entendu. Tu sais, les malachites, là, quand tu les découpes et que tu les polies, là, c'est magnifique avec ces concrétions successives. Est-ce qu'il y a justement la même chose avec l'azurite? Alors, ça peut arriver, ça ne fera jamais des échantillons aussi importants ou aussi grands que les malachites. Mais il peut y avoir effectivement des concrétions. Ce sont plutôt des petits échantillons. C'est généralement plutôt des concrétions qui vont donner des sphères, des cercles, rarement des formes plus complexes. Et il peut y avoir aussi parfois de la malachite intercalée avec l'azurite. Je suis désolé, je t'entends plus là du tout. Tu ne m'entends plus? J'ai pas entendu en fait. Le son est haché, mais ça doit être lié à ma connexion. À la maison, moi, c'est vraiment pas bien. Je sais pas si Yves a bien entendu. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, super. C'est ma connexion qui est vraiment minable. C'est bon. Et on va, Thierry, alors ce minéral là, donc bleu avec des plans de clivage. Avec une effervescence à l'acide chlorhydrique, souvent associée à la malachite et liée à l'oxydation et l'altération des minéraux qui contiennent du cuivre. Il sert à quoi ce truc-là en fait? Est-ce qu'il a une utilité? Alors, l'azurite peut éventuellement être utilisé comme pigment, hein, puisque c'est un minéral qui a une trace bleue, donc, qui conserve une couleur bleue lorsqu'il est en poudre. Et ça peut occasionnellement être un minerai de cuivre également, même si c'est rare d'avoir des concentrations suffisantes pour que l'azurite soit exploitée en tant que minerai, ça arrive. Toutes les applications du cuivre qui sont extrêmement nombreuses peuvent décider de l'azurite également. Donc. La malachite était plus intéressante en tant que minerai ou que l'azurite ou c'est pareil, c'est pas forcément super? C'est pareil, en fait ce ne sont pas des minerais communs parce qu'ils sont plutôt présents en quantité faible dans la zone d'oxydation des gisements. Les vrais bons minerais se trouvent en dessous. Hein, ce sont des minéraux, pour le coup, qui ne sont pas forcément très colorés, tétraédrite, énergite, chalcocite, chalcopyrite, etc. Ce sont les minéraux. Et alors le pigment, tu évoquais le pigment, c'était pour les peintures alors ou... Oui, c'est pour les peintures, oui. C'est un pigment ancien, mais aujourd'hui, peut-être que encore quelques populations l'utilisent, mais en principe, on n'utilise pas trop les pigments cuivrés. Et en bijouterie, on peut retrouver de l'azurite? Alors en bijouterie. Non, c'est un minéral qui est trop fragile, sa dureté est de l'ordre de 3,5-4, donc ça se raye très facilement. On ne pourrait pas porter un bijou de façon pérenne sur soi. Il serait attaqué déjà par les acides, selon l'acidité de la peau, et puis par les rayures également. Et une dernière chose, là, on voit que c'est associé à la malachite, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais pourquoi alors il y en a un qui est vert et l'autre qui est bleu? Est-ce que c'est lié à leur formule chimique? Les deux sont différents? Oui, en fait, il y a une petite nuance dans la composition qui occasionne la différence de la structure. Hein. Et du coup...
Du coup, ça peut provoquer des différences visuelles, en fait. La façon dont la lumière va pouvoir traverser le minéral va pas être la même. Ah. Okay. Alors, est-ce que là, il vient de m'autoriser mon partage, il a fini quand même par s'ouvrir. Je ne sais pas si vous voulez possible. Je peux éventuellement montrer quelques photos de pièces un peu spectaculaires. Ah oui, c'est la même formule chimique que la malachite, en fait. Ouais, c'est pas tout à fait. Allez, en résumé, il reste 3 minutes là. Oui. Donc est-ce que le partage est oui, visible, ouais, c'est bon. Le c'est partage bon. Est fait. Voilà. Donc par rapport à ce que je disais, donc habituellement la durée se présente sous cette forme-là. Hein. Vous voyez, des encroûtements, des choses pas très jolies, pas très spectaculaires, développées sur la gangue, avec systématiquement, quasiment, presque systématiquement, l'association à la malachite. Ouais. Et les formes cristallines, je disais qu'il y en avait énormément de possibilités. Donc il y a cette forme-ci. Avec des cristaux trapus, ils peuvent être allongés, très allongés. Alors, j'ai d'autres exemples, voilà, un cristal trapu. Là, je parlais tout à l'heure de cristaux presque rhomboédriques. En fait, là, on a une combinaison de cristaux presque rhomboédriques qui sont décalés les uns par rapport aux autres. On peut avoir des petits agrégats. En fait, wow. Souvent, ça forme des petits cristaux plats et allongés, et ils peuvent se disposer en gerbe. Et lorsque ces cristaux sont les uns contre les autres, ça peut donner des sortes de petites sphérolites, on appelle ça, des sortes de petites billes, voilà, ou en plus grand, voilà ce que ça peut donner. Donc là, si on coupe cette pierre en deux, la forme d'une concrétion avec des petites couches avec différentes nuances de couleur bleue, hein, comme pour une malachite. Ok, super. Voilà. Là, on a des cristaux qui sont aplatis. Voilà, encore des exemples. Ça peut même exister en masse. Là, c'est ça, on le voit pas trop bien sur la photo, mais c'est épais. Hein. Ça, c'est comme si ça faisait un filon de environ 3 cm d'épaisseur. Et puis, l'azurite, en fait, elle s'altère vraiment en malachite. Là, on le voit, en fait, l'azurite dans la partie haute et dans la partie basse, elle a commencé à s'altérer. Et donc, la malachite se forme aux dépens de l'azurite. C'est une des raisons pour lesquelles la malachite est plus fréquente, okay, finalement, que l'azurite. Et alors, le pays qui a les plus beaux échantillons d'azurite, là, c'est lequel, souvent? Alors, il y a de très très bons gisements au Maroc qui sont bien connus. Alors, je vous en ai montré un. Voilà, ça c'est marocain. Il y avait celle-ci, ça c'est marocain également. Après, il y a des gisements qui sont assez célèbres au Mexique. Celui-ci est mexicain. Il y a Tsumeb en Namibie qui a fourni de très bons cristaux. Alors ça, c'est Tsumeb. Puis la Chine, oui, je vous ai montré tout à l'heure un échantillon chinois. Celui-ci, il y en a plusieurs régions. Et en France quand même, on a un bon gisement. C'est le gisement de Chessy-les-Mines dans le Rhône. Et voilà, cette pièce-ci vient de mine dans le Rhône. Alors par contre, merci Thierry, parce que en plus, tu vois, moi j'avais tendance à dire aux étudiants que la malachite était un très bon minerai de cuivre, mais en fait non. Ça peut être un minerai. Donc, ouais, voilà. Ça peut être un minerai. Le fait de posséder du cuivre ne veut pas dire que c'est forcément un bon minerai. En fait, c'est exploité quand les concentrations, enfin quand les quantités de malachite sont importantes. C'est un petit peu comme un minerai de fer. Vaut mieux exploiter une magnétite qu'une hématite. Mais si l'hématite est vraiment très abondante, on peut taper dedans. Même la sidérite, qui est un mauvais minerai,
S'il n'y a que ça, on peut étudier la question. On prend, ouais. Ok. Merci, beaucoup, merci Thierry. Merci Fabrice, c'était très intéressant, riche comme d'habitude avec des photos magnifiques. Enfin, tu m'excuseras de te décevoir, pour moi je n'ai vu que du bleu. Hein, excuse-moi. C'est un beau bleu. C'est un beau bleu. C'était très très sympa. Merci encore beaucoup Thierry. On va passer à la dernière rubrique, la rubrique Géo-Rencontre, où on va recevoir quelqu'un qu'on a déjà reçu dans cette émission qui nous avait parlé d'un livre qui s'appelait La mer au temps des dinosaures, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur tous ces sujets-là. On va lui demander de nous expliquer un petit peu son travail et son parcours, un petit peu pour avoir fait tout ça. C'est la rubrique Géo-Rencontre. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien. Content de te revoir pour cette rubrique Jeux Rencontres. Je vais te laisser échanger avec Yves concernant ton parcours. Tu t'es venu nous parler d'un livre la dernière fois que tu avais co-écrit. Et on va causer ce soir un petit peu beaucoup plus de ton parcours et de tes études du pôle scientifique que tu animes et que tu vas nous expliquer un petit peu tout ce parcours-là. Ça se passe à la Sorbonne. Donc, Yves, je te laisse échanger avec Stéphane. Oula, il y a un son assez puissant là, non ? Je ne sais pas, moi j'entends bien. Vous avez de l'écho ? Non, j'ai... Non, c'est bon, d'accord, bon, on y va. On y va. Alors, Stéphane, merci d'avoir répondu une deuxième fois à notre invitation. En fait, tu étais venu effectivement pour présenter en tant que co-auteur La mer au temps des dinosaures. Et puis, lors de l'essai d'interview précédant le live, tu nous avais parlé de ton travail et ton travail dans la gestion des collections de l'Université de la Sorbonne. Oui, je suis désolé, je pense que c'est le souci de webcam qui, de temps en temps, fait des siennes. Alors, Loulou, tu n'entends pas du tout de grésillement, parce que moi j'ai un grésillement énorme. Je n'avais pas de grésillement, par contre, je ne sais pas d'où ça vient. La webcam a disparu, je ne sais pas, ça doit être interne chez toi, moi j'avais pas de problème. J'espère qu'on va retrouver Stéphane. Sur YouTube, ça fonctionne bien également. On récupérait Stéphane. Bon, Stéphane est malheureusement parti. Les aléas du direct. Stéphane est revenu. Ça y est, c'est bon. Désolé, j'ai quelques soucis de webcam qui marchaient très bien tout à l'heure et qui coupe. Je ne sais pas pourquoi, donc j'ai l'impression que ça coupe tout. Vous ne m'entendiez plus non plus. Oui, donc là, c'est bon, tout est revenu. Alors, ces collections, moi, les collections, c'est quel type de collection, en fait Alors, on a un petit peu de tout à la Sorbonne. On est sur le site de Jussieu, donc qui est juste à côté du Jardin des Plantes. Et en fait, ce sont les collections historiques de la Sorbonne qui, avant, étaient sur le site de la Sorbonne lui-même. Et ces collections ont déménagé en 72 pour intégrer le site de Jussieu. Donc, voilà. C'est pas possible. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Je vais continuer. C'est de relancer la radio. On va faire de la radio, Stéphane. Hein. Momentanément, on va faire de la radio. Non, c'est bon. Radio ou télé. Je pense qu'elle va recommencer. Elle fait des siennes, donc je vais certainement repartir aussi. Donc, voilà, c'était sur le site de... C'est venu sur le site de Jussieu actuellement, qui maintenant a changé de nom d'ailleurs. Le campus s'appelle le campus Pierre-Américain. Enfin bref. Et du coup, on a entre 500 000 et 700 000 échantillons, au moins pour la paléontologie. Donc c'est très largement une collection de paléontologie, donc qui est assez ancienne et qui s'est constituée à peu près en même temps que celle du muséum, avec les mêmes personnalités, Brongniart et des personnalités qui ont constitué ces collections-là.
Mais il y a d'autres collections aussi dont j'ai la charge. C'est des collections de pétrologie, des collections de micro-paléontologie, paléobotanique et de métallogénie aussi, qui sont des collections assez intéressantes. On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de minerais. Eh bien, les collections de métallogénie, c'est des collections de minerais et qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez parlé aussi de la malachite de Chessy-les-Mines. Et nous avons énormément d'échantillons de Chessy, puisque quelques métallogénistes de l'université ont beaucoup travaillé sur cette mine, justement. Donc, des collections qui sont extrêmement intéressantes et qui vont revenir à la mode. Elles avaient été un peu délaissées. Et on a beaucoup d'échantillons de mines qui ont fermé dans les années 60, 80. Et en fait, ça va revenir beaucoup à la mode. Ça commence déjà, on commence à se réintéresser à ces échantillons-là. Parce qu'on cherche des éléments qu'on ne cherchait pas forcément à l'époque. Avec tous les métaux et tous les minerais, et tout ce qu'on met maintenant dans les téléphones portables, entre autres, et qu'on ne cherchait pas à l'époque. Et c'est plus simple d'aller faire de l'analyse sur nos échantillons que de demander des permis d'exploration, des permis d'exploitation, etc. D'accord. Donc voilà, donc des échantillons extrêmement intéressants. Et là, on est en train de travailler sur une base de données pour essayer de mettre tout ça en ligne. L'objectif étant de signaler ces échantillons-là. Je signale d'ailleurs un gros travail qui est en train d'être mené au niveau national avec le muséum. Je fais partie d'un groupe de travail sur les géosciences. Il y a un site national qui s'appelle Récolnat, qui jusqu'à présent référençait toutes les collections d'histoire naturelle, mais plutôt côté zoologie, donc les collections de zoologie et de paléontologie, tout ce qui était lié au vivant. Cette base de données est rebalancée ensuite sur le GBIF, qui elle recense toutes ces données naturalistes. Voilà. Et là, on est en train de travailler sur l'extension de cette base de données vers les géosciences pures, c'est-à-dire tout ce qui est pétrologie et échantillons de géologie vraiment à proprement parler. Donc, c'est un projet qui est en cours. Là, on a fait un premier rendu avec les collègues et normalement, on devrait avoir un premier jet de la base de données qui sera en ligne d'ici quelques semaines. Et on espère, normalement, mise en ligne réelle l'année prochaine, normalement. D'accord. Alors, ce sera une base de données nationale et qui va servir un petit peu de modèle aussi à une base de données européenne qui est DISCO, alors qui est encore pas en ligne, mais qui va regrouper toutes les données européennes, que ce soit, toutes les données de collection, que ce soit botanique, zoologie, paléontologie, géologie, etc. Donc, vraiment un gros projet qui va prendre de l'ampleur de plus en plus. La géologie étant un peu le parent pauvre de toutes les sciences naturelles, moi qui ai travaillé dans un muséum, dans beaucoup de muséums ont des collections, des échantillons de géologie, de roches, de minéraux, mais il y en a peu qui sont inventoriés. C'était un peu le parent pauvre, et là, on essaye de travailler pour pallier un petit peu tout ça. D'accord. Et est-ce que les bases de données commencent à s'harmoniser ou pas entre différents pays, entre différents, peut-être universités déjà, je ne sais pas. C'est justement, on est en train de travailler sur des. Il y a des choses qui existent. Il y a notamment une base de données qui s'appelle GeoCase, qui commence à regrouper des données européennes. C'est vraiment le début. Et nous, on essaye justement de voir quels standards sont déjà existants et les standards qui manquent, qu'on est en train de développer. Donc, moi, j'avais contacté le BRGM, qui développe sa propre base de données. Et la cybercarothèque, donc tout ce qui est carothèque, que ce soit carotte marine ou carotte continentale, on a vraiment une partie très spécifique des géosciences pour essayer de voir, bien, pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, essayer de prendre ce qui existe, l'adapter, voir ce qui existe au niveau international et puis le reprendre au maximum. Et puis, quand ça n'existe pas, et bien,
ce qui est nécessaire. Donc, avec les collègues de l'université, on a déjà commencé à pas mal bosser là-dessus, et aussi avec les collègues de Récolnat, du muséum. On a un collègue de l'université de Lyon, de l'université de Dijon, et donc c'est un petit peu l'objectif, c'est un petit peu de synthétiser tout ça. D'accord. Sachant que l'objectif sur Récolnat, c'est vraiment du signalement. Nous, on développe en interne notre base, qui va aller beaucoup plus loin, évidemment, parce que nous, en tant qu'institut, institution de recherche, eh bien, les collègues des laboratoires ont besoin de beaucoup plus d'informations. Récolnat est vraiment fait pour signaler, et puis après, pour renvoyer vers les bases de données des institutions. Donc, on essaye vraiment de répondre aux besoins des collègues des laboratoires, de développer des choses les plus pointues possibles. Fabrice, as-tu des questions, des remarques à faire à Stéphane? La gestion des collections, c'est vrai que c'est fondamental. Il faut savoir ce qu'il y a. Il faut aussi régulièrement mettre à jour les noms, par exemple pour les fossiles, etc. Et il faut aussi trouver un système pour que les gens puissent avoir accès à cette information. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, c'est vrai qu'avec les outils numériques et notamment la photogrammétrie, tu sais, où tu peux prendre l'objet et laisser les gens derrière leur écran pour regarder l'objet sans le toucher, sans le sentir, hein, Yves. Mais au moins en le regardant, c'est vrai que ça ouvre des portes immense pour faire progresser la science, parce que plus on permet l'accès à ces infos aux chercheurs, plus on découvre des choses sympas, quoi. On a un projet sur ces domaines-là, notamment sur la typothèque, parce que pour ce qui est, oui, notamment en particulier pour la partie paléontologie, il y a des spécimens qu'on appelle des types, c'est-à-dire des spécimens, oui, de référence de d'espèces qui sont extrêmement importants. Et donc l'objectif, c'est de numériser en trois dimensions ces objets-là. On vient les consulter du monde entier, hein. On a des gens qui viennent de l'étranger pour consulter ces collections. Moi-même, quand je découvre ce que je pense être des nouvelles espèces, eh bien, je vais consulter les types des autres espèces dans d'autres collections à travers le monde. Donc l'objectif, c'est de numériser en 3D ces objets-là. L'idée étant d'abord un aspect conservation. Il y a quelques années, il y a le Muséum d'histoire naturelle de Rio qui a brûlé, et les collections de paléontologie ont été extrêmement touchées. Donc il y a des types, donc des spécimens à valeur scientifique extrêmement importante qui ont été détruites, ont disparu. Donc les numériser en trois dimensions, eh bien, ça permet d'en garder une trace. On peut même les imprimer en trois dimensions. Et puis si des collègues de l'autre bout du monde ont besoin de consulter deux ou trois échantillons, ça leur évite de se déplacer, de traverser la moitié du monde juste pour les consulter. Bon, parfois il faut quand même se déplacer parce que ça remplace pas l'objet lui-même, mais ça permet d'en avoir un facsimilé quand même le plus proche possible. Donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir numériser en trois dimensions l'ensemble de notre hypothèque. Et vous êtes combien à travailler sur ces collections là? Alors on est actuellement trois juste pour les collections géosciences. On a la chance au sein de Sorbonne Université d'avoir un vrai pôle. Donc c'est le pôle collection scientifique et patrimoniale. C'est un peu particulier parce qu'il y a peu d'universités qui se sont structurées pour gérer les collections. C'est parfois un peu compliqué. Nous, le service est rattaché à la bibliothèque universitaire, ce qui est assez étonnant. Souvent, la gestion des collections est faite au sein des laboratoires, ce qui n'est pas sans poser de problème parce que les laboratoires ont peu de moyens à dédier aux collections, et notamment des moyens RH. Nous, on est rattaché à la bibliothèque. Et nos camarades des bibliothèques savent pertinemment que quand on veut gérer des collections, que ce soit des collections de livres ou des collections d'échantillons, eh bien, le principal, c'est d'avoir des bras. Si vous n'avez personne derrière pour faire l'inventaire, pour donner l'accès aux collections, eh bien, vos collections, elles restent dans les placards.
Donc ça, je pense que c'est, enfin, je pense que c'est vraiment une chance pour nous d'être cette organisation-là. Et rien que pour les collections géosciences, on est trois et j'ai pu recruter cette année un CDD qui est un fidèle de votre émission d'ailleurs. Je pense qu'il doit regarder. Et qui est là pour au moins 2 ans. On va essayer de voir pour la suite. Mais, d'accord. Alors, rien que sur les collections géosciences. Et quand tu as commenté tes études, tu étais en L1, tu pensais arriver dans les collections. Quel a été ton parcours? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent, qui suivent la chaîne. Et c'est toujours intéressant d'avoir les différents parcours pour arriver à ces différents métiers. Alors, ça a été quoi ton parcours, Stéphane? Alors, moi, je l'ai commencé. Alors, à l'époque, ça s'appelait un DUG. Oui. Ah oui. Je suis un vieux. Donc, équivalent à L2, quoi. L1, L2. J'ai fait l'équivalent, voilà, licence. Donc, moi, j'étais à Orléans, où j'habite actuellement, d'ailleurs. Je suis revenu après, par la suite. Donc, vraiment très géologie, purement géologie. Après, l'équivalent de mon master... non, j'ai fait toute ma L3 comme ça. L'équivalent de mon Master 1, je l'ai fait à l'université de Dijon, où il y avait un peu plus de paléonto, mais ça restait quand même très géol, avec de la sédimento. Mais il y avait quand même une forte composante paléontologie. Et après, j'ai fait l'équivalent de mon Master 2 au muséum. Donc là, vraiment, là, j'ai mal tourné. C'est là où je suis devenu paléontologue, j'ai fait de la pale. Et après, j'ai fait ma thèse au muséum. Et j'ai découvert les collections là-bas parce que les collections, c'est vraiment une forte composante et une mission importante du muséum. Donc, c'est vraiment là-bas que j'ai trouvé ça. J'ai découvert l'aspect collection avec tout ce qui va derrière, l'aspect historique aussi. Mais j'étais à fond recherche et voilà, comme beaucoup, les collections, ma foi, les échantillons, ils étaient là pour servir à la recherche. Et à peu près tout. Et c'est vraiment petit à petit au cours de ma thèse où je me suis vraiment intéressé à cet aspect-là, l'aspect collection, l'aspect gestion de ces collections, oui. L'aspect historique, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut s'intéresser, les échantillons ont plusieurs portes d'entrée. Ça peut être tout l'aspect conservation, il faut les préserver. Préserver l'information qui va avec, qui est essentielle. Un fossile, si vous ne savez pas d'où il vient, c'est un caillou, hein, on peut le jeter. Fabrice. Beaucoup de minéraux, c'est un peu pareil, alors, sauf si vous voulez des choses un peu jolies. Mais les roches, si vous ne savez pas d'où elles viennent, ma foi, elles n'ont aucune utilité scientifique. Donc, c'est, voilà, ça, c'est important. Et puis, tout l'aspect historique, on a... Ici, à Sorbonne Université, on a la chance d'avoir des collections très anciennes, du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, avec des noms parfois qu'on découvre sur des étiquettes, avec des noms comme Charcot ou vraiment des... Oh là là. Ou des grands noms de la minéralité. Oh là 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 là, là. Ça doit être émouvant. La paléontologie, c'est vraiment terrible. Et on n'a pas que des collections d'échantillons, on a aussi des photographique et là j'ai mon collègue qui travaille actuellement sur les collections, alors là purement géologique, donc des échantillons de roches de monsieur Louis Gentil qui a fait toute une mission au Maroc et qui a découvert plein de choses, qui a ramené plein d'échantillons de roches, de fossiles, et on a la chance d'avoir les photos de ces missions qu'il a fait entre 1902 et 1910. Tous ses écrits, il a fait la thèse géologique du Maroc, et on est en train d'essayer de regrouper tout ça. Et donc, il y a vraiment l'aspect scientifique, il y a un aspect historique. Et, avec des objets fantastiques, des photos du Maroc dans les années 1904-1905. Et voilà, l'idée, c'est un petit peu de regrouper tout ça, de faire l'inventaire de tout ça, numériser tout ça, mettre sur le site, et éventuellement, on voudrait faire une publication là-dessus, et l'idée, mais ça dans plusieurs années, quand on aura tout fini tout ça, c'est d'essayer de retourner sur le terrain, refaire les photos, de refaire son parcours, et ouais. De refaire les photos qu'il a faites, et pouvoir comparer, je pense que ça va être assez sympa. Mais ces collections font l'objet d'expositions ?
On en fait parfois quelques-unes de temps en temps, mais c'est... J'ai... Alors, comme on parlait de mon parcours tout à l'heure, j'ai fait un... j'ai passé 6 ans au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille, où là, j'étais gestionnaire aussi des collections de sciences, et j'ai beaucoup participé aux expositions, et c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. Donc là, pour l'instant, moi, l'objectif, c'est vraiment d'orienter ces collections sur l'aspect scientifique. Donc là, j'épaule les collègues des laboratoires. On a des collègues qui sont partis en mission de collecte de carottes marines en Méditerranée. Et donc, je les ai épaulés pour construire leur base de données, que cette base de données, elle soit opérationnelle. Je leur ai fait du dépannage en direct. Ils étaient sur le bateau au milieu de la Méditerranée. J'ai fait du dépannage parce qu'il y avait un truc qui ne marchait plus sur le fichier. Et ouais, c'est assez génial de pouvoir faire plein de choses comme ça. Mais vraiment, là, l'idée, c'est vraiment d'être très orienté sur l'aspect collection scientifique. L'aspect exposition, c'est, je dirais que c'est presque un métier en plus, un métier différent et qui est extrêmement chronophage. Et donc là, en l'état actuel des choses, c'est compliqué. Il y a une très belle expo sur les minéraux qui est sur le site de Jussieu, qui est assez réputée, hein, parce que c'est une très belle collection avec celle de l'École des Mines. C'est, je pense, une des plus belles en France, enfin parmi les plus belles, historique en plus, et qui est assez magnifique. Je vous invite à venir la voir. Elle est ouverte au public, hein, sur le site de l'Université de Jussieu, enfin à Jussieu, Université Sorbonne Université. Je vous invite à venir voir cette collection qui est vraiment, elle est vraiment très très belle. Mais non, on fait quelques expositions vraiment de manière très ponctuelle. Donc quelques petites bibliothèques assez thématiques, donc en bibliothèque géosciences ou bibliothèque recherche sur le site. Mais c'est vraiment des expositions très, c'est vraiment très restreint et très très ponctuel. Les expositions, c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup. Fabrice, as-tu une dernière question ou remarque ? Fabrice ? Ah, Fabrice ne nous entend plus. Ah. Oui, mais alors, donc c'est une collection pour scientifiques, c'est-à-dire que le grand public ne peut pas voir ses collections, Stéphane ? Non. Non, non, actuellement, les collections sont dans plusieurs salles. Ouais, alors, en fait, le son, il est hyper saccadé. J'essaie de comprendre. Ah, je comprends. Donc, ouais. Oui, je reviens là-dessus. Mettre à disposition par Internet, par la photogrammétrie ou pas, les données que l'on peut avoir dans les musées, c'est génial. Mais n'hésitez pas à aller dans les musées aussi, hein, parce que c'est quand même sympa de voir en vrai les objets, même si, c'est un des problèmes, les musées ne peuvent pas tout montrer. Hein. Il y a plein de matériel qui sont dans les réserves et qui peuvent servir pour les expos, etc. Mais voilà, même si vous ne pouvez pas tout voir dans les musées, il faut y aller au maximum, il faut prendre son temps. Il faut y aller, il faut dessiner, il faut regarder, il faut prendre des photos quand c'est autorisé. Et puis après, faut aller sur le terrain pour revoir tout ça. Mais moi, j'ai appris à reconnaître les fossiles en allant dans les musées. Hein. J'allais avec mon fossile perso, puis j'essayais de voir s'il était exposé dans les vitrines. C'est souvent comme ça que ça peut commencer. Oui, tout à fait. Nous, on n'a pas pas d'exposition parce que c'est pas le... Enfin, il y a l'exposition des minéraux. Mais c'est la seule, le reste, c'est vraiment dans des réserves et à destination de la recherche. Mais voilà, ça, on envisage dans un avenir, mais alors là, c'est sur du long terme, éventuellement une expo à une échelle beaucoup plus large. Mais j'invite tout le monde, ayant travaillé dans un muséum, où c'était une des missions, parce que faut pas croire aussi, là, les muséums et les musées ont aussi une vocation recherche. Hein. Ils sont pas là que pour faire de l'exposition. Ils sont là aussi pour mettre leurs objets à la disposition des chercheurs et de la recherche. Mais voilà, c'est là où on a facilement accès au plus facilement accès, où le grand public a accès
aux collections. Et les collections, évidemment, les collections qui sont exposées, généralement, c'est vraiment... Je parle même pas du muséum où là, les collections se chiffrent en millions d'échantillons, voire en dizaines de millions, où l'exposition représente une partie infime des collections. Merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant et bah, ce qui fait très plaisir, c'est de partager, tu nous as vraiment partagé la passion d'une façon forte, ça transpire à l'écran, c'était un véritable bonheur et j'imagine que tout le monde l'aura ressenti de cette manière-là. En tout cas, c'était très sympa. Encore un grand merci. Bah, je vous en prie. Ben, je crois que, mon chéri, il est quelle heure? Il est 23h pétante. Non, mais alors attends, là, si on voulait être plus précis, je ne sais pas comment on ferait. Alors, petite précision importante, sachez qu'on va devoir rompre un petit peu notre cycle mensuel de live, puisque au mois d'avril, ben, comme vous le savez, il y a des dates électorales, il y en a même deux, et que donc c'était un petit peu compliqué de pouvoir caler une soirée live, donc on va se retrouver que désormais au mois de mai, et on vous laisse aller voter, surtout, c'est très important, ça c'est très... Voilà. Et puis, on va se saluer tous, merci beaucoup Thierry, encore merci Stéphane. Merci. Ouais. Merci à tous. Et puis passez une bonne soirée tout le monde. Bonsoir les géologues. Et Jean-François, malheureusement, Jean-François a été déconnecté. Je sais pas. Voilà, puis Vincent avait d'autres obligations. Voilà. Allez, bonsoir tout le monde. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Hein.